Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Shin Megami Tensei 5. Aujourd'hui du coup, on va reprendre l'aventure tranquillement. À savoir que de mon côté, j'ai exploré la totalité de la zone pour tout simplement ne pas avoir à le faire avec vous, puisqu'au final, les décors se ressemblent quand même plus ou moins. Donc je me suis dit, je vais faire ça de mon côté, comme ça quand on reprend, on peut vraiment attaquer la suite et de toute façon explorer une autre zone, quoi qu'il en soit. Donc du coup, on est arrivé ici, à savoir que hier, on était à peu près juste en face, là où il y a le coffre. On avait exploré un peu la partie basse également, donc on avait bien exploré ensemble quand même, quoi qu'il arrive. Donc là, ben, on arrive juste devant le rideau de feu, j'ai envie de dire. Yoiko. Ah génial, on va aller à Akihabara. C'est vraiment mon quartier préféré à Tokyo, ça je vous le dis. Je me demande si on pourra quand même voir des ruines de magasins de jeux vidéo et tout, ce serait cool en vrai. J'y crois pas beaucoup, hein, mais bon. Allez, go, du coup une petite quête. Donc j'imagine qu'il faut passer par là. Hein. Parce que hier justement j'ai essayé d'y aller, là-bas. Et en fait j'en ai déduit qu'il fallait absolument monter tout en haut et passer par le derrière pour atteindre cette zone. Et au final... Oh mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va pas s'enfuir, lol. Il est quand même caché derrière un poteau. Faut faire attention de ne pas tomber. Hein. Sauf si je peux remonter. Ouais, je peux remonter. Donc on va aller chercher lui là-bas. Allez, merci. Je commence à avoir quelques points de gloire, c'est cool. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer en bas? Parce qu'il y a pas mal de petits passages là. Lui, je l'ai déjà. Ah ben oui, voilà, on a des petits distributeurs. Il n'y a rien d'autre, on est d'accord. S'il y a un coffre, il est en haut. Ok, on y va. Ah, trompé. C'est par là. Là, on récupère le coffre. Ensuite, on fait demi-tour. Regardez ce qu'il y a là-bas, va falloir trouver le moyen de l'atteindre. Je sais pas par où, mais on va le trouver le moyen. Attendez. Ok, ça c'est bon. Et bien comme ça, voilà, on a trouvé. Allez, 80 en plus. Bon, l'inconvénient, c'est que je dois tout me retaper. Enfin, tout, c'est un euphémisme, mais... Une petite partie. Parce que là, en fait, on était censé aller juste ici, sur la droite. Oh, lui, je crois pas l'avoir déjà eu. Ah, ok. Ah oui, d'accord, c'est très loin. Oh putain. Mmh.
Qu'est-ce que vous auriez fait si j'étais pas venu contre les ordres? Ça, je me demande. On va d'abord revenir en arrière pour récupérer tout ce qu'il pourrait y avoir. Eux, je les aime pas, ils m'attaquent tout le temps. Alors que je les ai déjà et que j'ai juste à leur parler. Tiens, il fait quoi lui ici? On va sûrement le battre à un moment donné, je pense. Bon, on est revenu ici, mais il n'y a rien de particulier à récupérer. Ah. Raté. J'ai voulu partir sur la droite, mais un petit peu trop tard, du coup, ben... Et le pire, c'est que je les ai déjà les deux, donc j'ai juste à leur parler. Et il va me soigner. Ou pas. Mais bon, le combat est fini. Donc j'imagine qu'on doit passer par l'autoroute. Non! Oh non! C'est une blague! Oh putain, je suis dégoûté, je dois tout me retaper là. Ah, je suis au bout de ma vie. Bon, écoutez, on va déjà aller à la sauvegarde qui est à côté pour se téléporter. Ce sera déjà plus simple. Oh putain, mais je suis un boulet, ma parole. Oh, je suis au bout de ma vie, là. Par où on remonte? Ah oui, c'est par là-bas, je me souviens. Bon, déjà on sera revenu là. Ensuite, il faut tout retraverser. Je ferai pas deux fois la même bêtise, hein, je vous le dis. Ok, ça c'est très intéressant. On est bien d'accord, il faut qu'on saute là. Et en plus, il y a une sauvegarde, génial. Maintenant, on peut se téléporter ici déjà, c'est rassurant. Et là, il me semble que je pouvais récupérer un coffre à un moment donné, je l'avais vu. Ah non, c'est des distributeurs, mais bon. Au final, il y a bien quelque chose à récupérer. Je vous dis pas le temps que j'ai essayé à essayer de revenir, enfin de venir ici. Mais c'est pas celui qu'on a vu au début du jeu dans le parlement. Moi je pense que c'est lui dont il parle.
J'en étais sûr, c'était bien eux. その必要はない。 我らと出会った後、ベテルに抱くだけとしたが、生きているだけの様子。お前が目をかけるほどのものとも思えん。さっきの悪魔のように葬ってやる。ふん。聞いての通りじゃ。わらわが見込むそなたの腕、見せてくれるか？ Et ben voilà, petit combat. On va voir s'il est fort. Oh, la musique elle est géniale. Ah oui, d'accord, il est quand même très fort. Donc il résiste aux attaques physiques déjà. Il craint l'ombre. En vrai, je crois que je vais réussir à le tuer d'un tour. Ouais. ラフムを撃ったという噂。それほどの腕を持ちながらベテルに従うとは。貴様とて悪魔が人間に害をなす様を見たである。 そして人間が悪魔にそそのかされる様を見たはずだ。その者たちは幸せになったか？悪魔の存在は人間を不幸にする。貴様はどうか知らんが。そうだ。ラフムと関わったばかりに彼女たち二人どうした？わらわは見ておったぞ。 Je suis plutôt d'accord, mais mec, t'es avec une... Enfin, t'es avec un démon, là. En même temps, Protomaudit, si je te dis que... Que j'ai pas besoin de toi, c'est qu'il y a un problème. Sans toi, je peux rien faire. Bon, on est arrivé du coup dans la nouvelle zone. Si je veux, je peux sauter en bas. Par contre, là-bas, il y a de l'eau. Hein. Faut faire gaffe. On va quand même d'abord suivre les rails. On risque de rencontrer de nouvelles entités, je pense. Genre, eux, je crois que je les ai jamais vus. Après, il est possible que je les ai déjà fusionnés, donc en soi, je sais pas. Non, c'est bon, je les ai pas. Alors. Ah merde. Ça commence. Thank you.
Imaginez que là j'aurais perdu 8000 maca si j'avais dit oui. Heureusement que je lui ai demandé autre chose, maman. Vous avez vu, on voit un abcès là-bas. Et il y en a un juste ici à côté. Oula, il faut faire attention, j'avais pas vu, mais il y a un trou. La question, c'est comment on va l'atteindre. Je pense qu'en fait, cette voie, il va directement jusqu'à lui. Allez, tiens, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça fera un premier abcès détruit, du coup. C'est rare qu'on puisse les atteindre aussi rapidement, les abcès. Allez, c'est fait. Oh, stylé, Kaimer. Ok, c'est bon. Je me demande ce que c'est quand même, ces trucs rouges, là. Bon, on va aller en bas voir ce qu'il y a. Parce que déjà, j'ai vu lui, là. Et il me faut récupérer le maximum d'aimants. De manière à pouvoir acheter de nouveaux miracles. C'est quoi, ça? Ça fait partie de la quête annexe, je crois. Ouais. Chasse au trésor à Akihabara. Est-ce qu'on peut monter? Ouais, je crois qu'on peut monter par là. Salut les gars. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est un boss. Est-ce qu'on se le tente ou pas? Parce que là, j'ai pas sauvegardé depuis l'entrée de la zone. Je sais pas. Allez, on se le fait. Allez, c'est fait. Ah, super, level up. Bah de l'attaque. Ok, on peut faire demi-tour.
Mince. Mais en plus, je vous ai déjà, les Jean-Jacques. Ça vient de me parler. Ah non? Je pensais que je les avais. Bah écoutez, on va essayer de les choper. Hein. Oh là là, mais quelle faiblesse. Bon, en vrai, ils m'ont saoulé. Ça va être vite vu. Là, c'est de là où on vient. Oh putain! Lourd! Ah ben vous voyez, on se retrouve là. Mais on sait toujours pas ce que c'est. Alors que c'est sûrement ça qui pose problème pour la barrière de feu. Bon, c'est pas grave, je vais sauter par là-bas du coup. Quête annexe, c'est pas loin. Ok, et là je crois que ça nous mène, on est au tout début, juste en dessous, ouais, voilà. C'est là où j'avais vu l'espèce de lac. Oh, intéressant. C'est un boss. Et lui par contre, vu la taille qu'il fait, je vais pas m'y frotter tout de suite, hein. Du coup, on va partir de l'autre côté.
Je sais pas par où je suis censé aller. Faut trouver un moyen de monter en fait, mais par où? Là, vous voyez, il y a ça, mais je peux pas l'atteindre. Et là, il y a la flotte, donc ça sert à rien. Tiens, tiens. Là, j'y ai pas encore été, donc il y a moyen que ce soit par là. En plus, on monte, donc c'est parfait. Tiens, tiens. Heureusement que je regarde vraiment partout en vrai, parce que sinon je raterais souvent des trucs. Hein. Ensuite, on continue de monter. C'est quoi que j'entends? Ok. C'était un truc pas très loin. Ah, chiant. Mais quoi? Ouais, mais en même temps, 5000 macas, t'es con ou quoi? J'ai pas donné 5000 macas comme ça. Il est fou, lui. Hein. Il y a pas marqué pigeon sur mon front. Oh putain. Je vais pas m'en sortir, les gens. Je vais pas m'en sortir.
Bon, j'espère qu'on va réussir à l'avoir cette fois-ci. Il est dur à avoir celui-là. Putain, c'est lourd là. Là, ça commence à être lourd. Putain, ça m'énerve! Bon allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner. Et moi, du coup, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Bye bye.